Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce plan Habitat durable est un signal fort envoyé par la région au secteur du bâtiment public, qui doit particulièrement s'adapter aux défis climatiques. Pour cela, l'innovation est essentielle et l'impulsion politique incontournable. Au-delà de l'aspect purement économique de la question de la durabilité du logement, je voudrais profiter de la présentation de cette stratégie pour relever son aspect social. Social, parce que lorsqu'on vit aujourd'hui dans un immeuble des quartiers Bellefontaine et de la Reinerie à Toulouse, quartier prioritaire de la ville, on fait face en hiver à des problématiques de chauffage. Chauffage qui, s'il fonctionne, confronte les familles à revenus modestes à des factures exorbitantes. Social, parce qu'en été, il devient alors impossible de rester chez soi et de trouver une zone d'ombrage permettant de respirer. Même lorsque M. le maire de Toulouse propose aux habitants de Bellefontaine et de la Reinerie d'aller s'abriter sous du soleil sous un pneu géant. Social, parce que vivre ainsi, c'est partir depuis chez soi, du mauvais pied, pour aller à l'école, travailler, se rendre à une formation, trouver un emploi, participer à un travail associatif. Aujourd'hui, plus de 20% des habitants d'Occitanie sont touchés par la précarité énergétique. Oui, le logement est une priorité de notre politique régionale. Comme nous agissons avec Rénov Occitanie, comme nous agissons avec notre soutien à la production de logements sociaux. Il faut aujourd'hui renforcer par une stratégie claire et forte nos ambitions pour changer de modèle et aller toujours plus vers une résilience accessible à tous et non uniquement à ceux qui pourraient se permettre de choisir un lieu d'habitation et un logement plus économe, un logement tout simplement plus vivable. Parce que notre plan Habitat durable, en agissant sur la filière, en construisant un lien direct avec les acteurs des ambitions claires pour innover, permettra d'assurer une justice sociale du logement sur son versant écologique. Je veux noter particulièrement l'importance du travail mené avec les collectivités pour la production et l'amélioration de logements locatifs communaux et intercommunaux à vocation sociale dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et avec une action sur la sobriété foncière et contre les logements vacants. À travers la production de logements, oui, nous parlons d'emplois locaux, d'innovation, du BTP, à soutenir de solutions pour construire mieux et durablement. Nous travaillons aussi pour redessiner le visage de nos villes, de nos quartiers populaires, de nos villages, et nous parlons donc de vivre ensemble. Parce que les inégalités face au logement construisent des frontières qui deviennent des barrages pour les habitants, qui clivent, qui séparent et ne permettent plus le vivre ensemble et la mixité sociale. Aujourd'hui, avec ce plan Habitat durable, nous affirmons, en posant une pierre de plus, une ambition, celle d'une région qui innove, qui s'adapte, une région à énergie positive pour toutes et tous. Je vous remercie.